Salut à tous, je suis Fégé, ravi de vous retrouver sur Music Classroom, votre chaîne de formation musicale, quel que soit votre niveau, et bien sûr entièrement gratuite. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, j'ai choisi de vous parler d'un des éléments essentiels de la musique, la mélodie, encore appelée thème musical. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce que, d'une part, c'est ce qui va caractériser une création, une composition musicale, et d'autre part, c'est la première des choses que chacun peut mémoriser pour la recifler sous la douche ou dans la rue, par exemple. Eh bien, je compare souvent cette mélodie, ce thème musical à un personnage. Un personnage qui va naître au départ, qui va mourir à la fin, mais entre, qui va passer par différents états d'âme. Et ces différents états, c'est ce que nous vivons, vous et moi, dans la vie de tous les jours, avec des moments de tristesse, des moments de gaieté, avec des hauts et des bas, évidemment. Eh bien, en musique, la durée de vie donc d'une mélodie, eh bien, c'est la durée de cette composition musicale. Et entre, évidemment, il va se passer tout un tas donc d'émotions, c'est-à-dire d'éclairages, de couleurs différentes que l'on obtient par ce qu'on appelle l'harmonie. L'harmonie, c'est le choix des accords et le choix des suites d'accords, c'est-à-dire comment enchaîner ces accords d'une certaine façon, donc on appelle des progressions harmoniques, pour justement soutenir ce thème et le faire passer par des couleurs différentes. Et bien, pour illustrer ce que je vous dis, j'ai choisi en cette occasion de Noël donc une mélodie populaire vraiment très très caractéristique, c'est Petit Papa Noël, donc très simple. Et je vais donc l'harmoniser, voire la réharmoniser pour changer sa couleur initiale, la mélodie elle-même restant évidemment la même, le personnage reste exactement le même. Mais en trouvant des accords différents ou des enchaînements d'accords qui soient assez variés, on va faire passer évidemment cette mélodie avec des habillages complètement différents. Vous pourrez également donc télécharger le PDF de cet arrangement gratuitement, dont le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, si tous ces sujets autour du piano vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et si vous activez cette petite cloche, vous serez notifié de tous les nouveaux tutoriels et vidéos que je mets en ligne chaque semaine. Je vous invite également à nos lives où une fois par semaine, vous pouvez venir suivre un cours et me poser toutes vos questions en direct. Voilà, si vous êtes d'accord, on peut y aller tout de suite, juste après ça. Alors dans un premier temps, donc, je vais vous jouer les thèmes et ensuite je vous donnerai quelques explications sur l'harmonisation, donc voire sur la réharmonisation. Alors vous l'avez remarqué, donc ce thème très populaire, très simple, possède en fait deux mélodies distinctes, deux thèmes. Le premier thème va être pris deux fois, il est en Fa majeur, il fait ceci.
s'infléchit vers la dominante, c'est-à-dire vers la dominante de Fa majeur, c'est-à-dire vers Do. Et puis, il va être repris une deuxième fois avec, on va le voir, une réharmonisation différente. Donc, dans le premier passage de ce thème, je vais simplement commencer par l'accord 1 en Fa majeur, c'est l'accord de Fa majeur lui-même. Mais je vais l'enrichir, cet accord de Fa majeur, avec ici le Sol, la 9e, donc premier degré. Puis toujours dans cette mesure, je vais monter sur le deuxième degré, Sol mineur, avec des 11e, etc., donc des enrichissements comme ça. Deuxième mesure, troisième accord, on va avoir toujours l'accord de Fa majeur 9, mais renversé sur le La, c'est-à-dire son premier renversement. Puis ensuite, toujours dans cette mesure, on va avoir le quatrième degré donc de Fa majeur, c'est-à-dire l'accord de Si bémol majeur avec la 9e, le Do. Mesure suivante, on va avoir donc toujours cet accord de Fa majeur, mais cette fois-ci 7 avec le Mi, sa 7e, mais renversé sur Do, c'est-à-dire deuxième renversement. Et ensuite, pour finir cette mesure, je vais moduler, aller dans une autre tonalité, c'est-à-dire par le Do dièse ici. Je vais aller en Ré mineur, la relative mineure de Fa majeur, bien sûr. Puis premier degré de Ré mineur, 9, avec le Mi, la 9e. Puis je vais entamer une basse ici, chromatique, descendante par demi-ton, c'est-à-dire Ré, Ré bémol. Puis ici, Do, c'est-à-dire un Ré mineur, c'est-à-dire 6e degré de Fa, l'accord de la tonalité de Fa majeur. 6e degré, Ré mineur 7, mais sur Do, dernier renversement. Ensuite, chromatiquement, toujours par demi-ton, je vais descendre sur Si bécard. Si bécard qui est le 4e degré altéré de Fa, puisque c'est Si bémol, son 4e degré. On augmente le 4e degré Si bémol vers Si bécard pour avoir cet accord. Pratiquement un demi-diminué. Et puis je descends dans la même mesure sur Si bémol, 7e de dominante, avec dièse 11 ici, quarte augmentée, donc le Mi bécard. Pour arriver sur La, toujours par descente chromatique, La mineur, qui est en fait un deuxième degré du Sol vers lequel je vais aller. On va avoir donc La mineur, deuxième degré. Puis Ré, cinquième degré, comme si nous allions vers Sol, c'est-à-dire cinquième degré, mais sus4, un Ré sus4, avec sa 9e, le Mi ici, que je résous sur le Fa dièse, le sus4, le Sol résolu sur Fa dièse. Je ne vais pas aller en Sol mineur, je vais aller plutôt sur une dominante de Sol, un Sol 7, mais sus 4 ici, avec la 9e, le La, que je vais résoudre sur le Si, sa tierce, hein, la tierce de Sol donc dominante, mais je vais en même temps ici l'harmoniser avec un enrichissement, le La bémol. La bémol, c'est la 9e mineure de Sol 7, et puis un Do dièse qui est la quarte augmentée, ou la 11e augmentée de Sol 7. Et puis j'arrive enfin sur la dominante de Fa pour revenir en Fa donc, c'est-à-dire Do 7, mais sus 4 avec enrichissement ici de sa 9e, le Ré. Et quand je le résous ce sus 4, je vais mettre bémol 9, le Ré bémol ici. Voilà pour le premier passage donc, du premier thème. Donc il va y avoir une reprise donc, de ce même thème, mais je ne vais pas évidemment la réharmoniser de la même façon. Je vais cette fois-ci avoir ce qu'on appelle une pédale de basse, c'est-à-dire je vais garder le Fa pour un moment ici à la basse, une pédale de tonique. Tonique, c'est le premier degré de la tonalité de Fa majeur, c'est Fa. Donc je vais tout harmoniser en gardant ma basse Fa comme ça. Ça va donner premier degré de Fa majeur, hein, ici, donc un accord de Fa majeur 9, toujours avec ma 9e. Je garde toujours le Fa grave, mais je vais mettre maintenant un accord de 4e degré Si bémol majeur au-dessus, même Si bémol majeur 7 avec le La. Troisième accord, toujours sur cette pédale, donc cette note obstinée à la basse, je vais avoir donc 7 accords dessus.
Un accord de septième diminuée, vous le voyez ici, la bémol si, ré, fa, c'est en fait une septième diminuée renversée de si, ré, fa, la bémol sur le quatrième degré altéré de fa, vous vous en souvenez, le si bécart cette fois-ci au lieu de si bémol. Donc renversée sur la bémol, troisième renversement. Et je reviens sur mon accord donc de fa majeur 9. Ensuite, je vais descendre fa, sol, avec un mi en bas, passage qui va aller sur ré mineur ici, c'est-à-dire sixième degré de fa. Puis ici, je vais descendre sur ré bémol, passage chromatique comme tout à l'heure, hein, je vous l'avais montré. Et j'arrive toujours ici sur mon ré mineur 7, donc toujours sixième degré de fa majeur, mais renversé sur do sa septième. Puis à nouveau par chromatisme, je redescends comme tout à l'heure, je reprends exactement donc la même descente chromatique par demi-ton avec le si bécart sur le quatrième degré si altéré, si bécart de fa. Et puis je fais un passage par si bémol chromatique en bas, si bémol dominant, toujours avec mon dièse 11. Donc j'arrive à la mineur. Ré 7, sus 4. Avec la neuvième, le mi toujours. Et cette fois-ci, je prends un deuxième degré de fa, c'est-à-dire sol mineur, qui va aller sur le cinquième degré donc de fa toujours, c'est-à-dire do 7 sus 4. Résolution donc avec un ré bémol ici sur do 7 bémol 9, c'est-à-dire neuvième mineur. Et je finis sur fa majeur premier degré. Alors deuxième thème maintenant, le deuxième thème va s'orienter vers si bémol majeur. Si bémol majeur, c'est le quatrième degré de fa, hein, l'accord du quatrième degré de fa. Donc je commence par un si bémol majeur 9 avec le do la neuvième. Et je vais monter la quinte, je vais altérer la quinte de ce si bémol majeur, si bémol ré fa, si bémol ré fa dièse augmenté. Qui va se terminer ici sur le sol, la sixte de si bémol majeur. Je vais revenir à un premier degré fa majeur, mais renversé sur le la. Donc vous voyez ici, donc c'est fa majeur renversé sur le la, premier renversement, et je rajoute quand même le sol, la neuvième, pardon, donc de fa majeur. Puis ici, je vais monter sur un renversement encore, c'est-à-dire un renversement de si bémol, toujours, mais avec le ré, donc sur sa tierce à la basse. Et donc, je vais conserver ici la neuvième de si bémol, le do, qui va se transformer en mineur avec un ré bémol, si bémol mineur, hein, et la septième, la bémol ici. Puis à nouveau, dominante de fa ici, c'est-à-dire do 7, sus 4. Que je résous comme tout à l'heure avec bémol 9. Bémol 9 ici parce que maintenant je vais aller dans l'accord suivant, donc cinquième degré qui va sur un premier degré fa mineur cette fois-ci. Avec sa neuvième, le sol ici. Puis mi bémol passage, c'est-à-dire je renverse mon accord de fa mineur 7 sur mi bémol, troisième renversement. Puis ici, je vais descendre sur si bémol mineur qui va être renversé sur sa tierce, ré bémol, avec toujours la quinte ici qui va être la septième donc de si bémol. Et puis, et ici, je vais aller sur la bémol majeur renversé sur do sa tierce aussi. Je vais revenir sur l'accord précédent, c'est-à-dire si bémol majeur renversé. Et ensuite, j'arrive sur ma dominante à nouveau de fa majeur, c'est-à-dire do 7, sus 4, mais sous une forme de premier renversement, c'est-à-dire le sus 4 de do, c'est-à-dire la quarte fa, va être à la basse cette fois-ci, premier renversement. Et je mets également la neuvième, le ré, la septième ici, le si bémol de do. Et même le sol ici, sa quinte.
Donc le sus 4, le fa va se résoudre sur la tierce de do, c'est-à-dire mi ici, et en même temps, je vais rajouter un enrichissement, la 11e augmentée fa dièse sur do, c'est la quarte augmentée, hein, do, ré, mi, fa dièse. Je vais mettre un ré bémol, la 9e mineure. Et donc, il n'y a plus qu'à réexposer le premier thème. Le premier thème va revenir, mais je vais essayer donc de le mettre à un autre niveau. On va le mettre dans l'aigu maintenant. Dans l'aigu, toujours avec cette pédale de fa ici. Toujours avec ma 9e ici, le sol. Puis 4e degré au-dessus, toujours pédale de fa en bas. 4e degré si bécard, accord de 7e diminué, si ré fa, la bémol, renversé sur la bémol. Donc, 3e renversement. Et je reviens à Fa majeur 9. Puis, Fa majeur 7 cette fois-ci, avec le Mi bécart, sa 7e, mais 2e renversement sur le Do. J'emprunte comme tout à l'heure à Ré mineur avec un Do dièse diminué. 1er degré Ré mineur 9, avec le Mi sa 9e. Do passage, donc c'est un Ré mineur 9 sur Do, hein, toujours 3e renversement. Puis j'arrive toujours sur le 4e degré altéré de Fa, c'est-à-dire pas Si bémol, mais Si bécart, augmenté. Hein. Puis Si bémol majeur, 4e degré véritable de Fa majeur, qui se transforme en dominante dièse 11 avec le mi bécart, si bémol dominante dièse 11, et la 9e ici le do. Même chose, je vais essayer d'aller vers sol, c'est-à-dire je vais faire un 2e degré de sol, la mineur, qui va vers sur le 5e degré donc de sol, ré 7, sus 4, même ré 9 avec la 9e le mi. Je résous cette dominante sur, avec un mi bémol, un enrichissement. Et puis je vais donc sur le 2e degré de Fa majeur pour faire un 2-5-1 à la fin, Sol mineur 9, même 11. La 11e c'est le Do. Et je vais sur le 5e degré de Fa majeur avec un sus 4 ici, le Fa, et la 9e de Do 7 ici. Je résous toujours sur bémol 9 ici avec le Mi bécart la tierce de Do. Et puis pour terminer, eh bien je ne vais pas aller sur Fa tonique, mais je vais prendre le triton, la substitution tritonique de Fa. Triton, trois tons, Fa, Sol, La, Si. Et bien un Si7 au lieu d'un Fa7. Mais Si7 enrichi parce que dans la mélodie, j'ai un Fa bécart. Et par rapport à un Si7, c'est la 11e augmentée. La 11e, la quarte est en Mi, augmentée Mi dièse ou Fa. Et je termine sur ce Fa en suspension. Voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura intéressé et qu'il vous sera bien sûr utile dans la compréhension de l'harmonisation de mélodies. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air. Vous pouvez bien sûr télécharger le PDF de cet arrangement directement, le lien est dans la description de la vidéo et c'est entièrement gratuit. Si vous recherchez des formations complètes, des exercices, des solutions ou des cours en direct avec moi-même sur Internet, c'est sur cette petite carte qui va s'afficher d'ici un instant. Si tous ces sujets de l'harmonisation ou de la réharmonisation de mélodies vous intéressent, je vous recommande cette playlist sur cette même chaîne qui va vous donner des renseignements précieux sur ce sujet. Vous avez certainement des suggestions ou des remarques, postez-les dans les commentaires de la vidéo, j'y réponds toujours avec plaisir. Si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et en activant cette petite cloche, vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos et tutoriels que je mets en ligne chaque semaine. Je vous invite également à nos lives où, une fois par semaine, vous pouvez venir suivre un cours et me poser toutes vos questions en direct. Voilà, merci infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très très vite sur la chaîne Music Classroom. Salut !